Comment ça va toi? J'espère que tu vas bien. C'est le premier match de 2021. Premier match de 2021 que l'on commence aujourd'hui, que l'on va jouer en live. Enfin, pas en live puisque c'est enregistré, mais que je joue là en live avec vous. Et je commence par faire un tirage pour voir si cette année va bien commencer. Bof, hein. Déjà, on est obligé de mettre le masque. Déjà. Et on n'a pas super bien gagné. J'espère que pour vous ça va, que vos fêtes se sont bien déroulées, qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers, que vous kiffez la vie et que cette nouvelle année commence sous le ciel, sous un ciel bien dégagé. Ils ont vachement épuré là, il s'est passé quoi là? Waouh, il n'y a quasiment plus rien. Ok, bon, c'est pas trop grave. Donc j'ai un match dans les cartons fait par Jean, un match all-in que j'ai préparé, que je vais vous mettre ensuite. Là, je fais juste un petit match à 10 000 parce que aujourd'hui j'avais un petit peu le temps et surtout de jouer sur ce téléphone-là avec le compte de José, le compte officiel, que j'aurais pu changer éventuellement, je peux toujours. Hop. Ok. Je bascule juste un petit peu en touche. J'ai baissé le son un peu de l'extérieur parce que c'est un peu chaud. Voilà. Donc, alors. Ouais, donc j'ai préparé ce petit match avec le compte de Jean, celui que je fais. Là, il peut faire un tir croisé vachement sympa. Il peut faire un truc, il peut... mais je trouve que le son du jeu, il est super fort, là. C'est abusé. Ok. Ouais. Alors, je voulais qu'il me rééjecte, en fait, vers le bas, ici. Et en fait, moi, le but, c'était que mon pion se retrouve là, tu vois. Là, on a une possibilité de rien du tout. Bon, là, c'est un peu complexe, quoique. Il peut le tenter avec celui-là, éventuellement. Peut-être même en double rebond. Il la joue sécure, ok. Moi, il faut que je l'enfonce chez lui. Waouh! Waouh, j'ai mes deux pions qui le gênent là. Ils lui permettent pas de trop cibler. Ouais, pas mal. Là, on peut jouer avec le poteau. On peut jouer avec le poteau. Et c'est ce que je vais faire. Même si c'était risqué. Même super risqué. Parce que là, du coup, l'opportunité est énorme. Tu vois ce couloir là? Là, qui mène droit sur ses buts, sur mes buts, à moi. Très bien. Toujours, il a joué sécure, mais ce qui m'arrange, parce que du coup, moi, ça me permet d'attaquer. Hein, moi qui suis offensif, je reprends du poil de la bête dans ces moments-là. 67%, nanana, oui, je pense qu'il a joué très sécure. Très, très sécure. Au vu des stats, il y va tranquille. Oh là là, comment c'est passé en dessous là? Comment ça voulait rentrer à l'intérieur? Comment c'était... C'était dangereux pour lui. Mais pas tant que ça, mine de rien. Oh, il aurait pu. Il aurait pu. J'aimerais bien la faire aller vers le haut. Tu vois, j'aimerais qu'elle se retrouve là. C'est faisable avec lui. Voilà, elle se retrouve là. Là où on voulait qu'elle se retrouve. Là, il y a une légère latence. Ah ouais, j'ai 10 secondes de latence à peu près. Ok, donc là, on éjecte et on ramène. En même temps, ouais. Et les trucs vraiment après coup, tu sais, je les vois. Mais voilà, donc en là, j'en sécure. Ça me permet, moi, de pouvoir trouver un moment et rentrer dans ses buts. Qu'est-ce que je peux faire de sympa, là?
J'aimerais bien utiliser son pion du bas là, mais ouais. Allez, attends, on va tenter un truc. Ouais, c'est loin d'être ce que je voulais tenter. Je voulais effectivement revenir, rebondir là, là, et puis utiliser ce pion en fait, pour que ça fasse paf, paf, mais c'était pas du tout, du tout, du tout ça. Là, c'est de la précision. Et normalement, on la met. Je dis normalement parce que oui, effectivement, je ne joue pas aussi souvent qu'avant et que donc, voilà. Donc toujours contre notre guest, on retente ce tir. Non, on va faire un placement plutôt. Oh, quoi que, attends. L'angle, est-ce que je l'ai l'angle? Trop juste, trop juste, ouais. Va-t-il la renvoyer? Non, bah oui, c'est vrai. On l'avait dit, c'est un mec, il a joué sécure. Je rebondis sur son pion, je rebondis en bas. Ça vire tout. Et je rentre. Ouais. Le mécanisme était bon. Tu vois, le pion a tapé en bas, est revenu, est venu taper la balle. Mais bon, c'est clair qu'en termes. Il y a des trucs, c'est top si tu avais des pions à la puissance infinie. Ou une puissance beaucoup plus élevée. Mais ça fait partie aussi des choses qu'il faut que tu gères dans le jeu. On va remonter avec le ballon. Un bon vieux but que j'aimais marquer à l'époque. Ah, j'aurais pu. J'ai hésité, tu vois, j'ai hésité. Parce qu'il y avait une partie de moi qui dit ça va faire de la merde, ça va faire de la merde. Mais tu vois, si j'avais pas hésité, on aurait été bon. Ok. Donc là, on va la faire rentrer et aller devant ses cages. On revient un peu en arrière. On ramène un pion en même temps. Logiquement, s'il joue sécure, je pense qu'il va venir protéger là. Ouais. Utiliser deux pions, c'est encore mieux. On grignote un peu d'avancée pour aller le titiller dans ses cages. Le problème, c'est que là, j'ai qu'un seul pion à l'avant. Je vais mettre deux pions. J'ai sécurisé un petit peu mon attaque. Et ça me permet aussi. Putain. Et ça me permet aussi. Voilà, de virer celui-là. Et de pouvoir petit à petit grignoter de l'espace. Donc on revire. Je pense qu'il devrait remettre un pion là, puisque stratégiquement, c'est l'endroit à protéger. Ok. Là, on peut virer lui. Ensuite, je vais ramener le pion que j'ai ici, là. Parce que là, pour le moment, il ne m'est pas du tout utile. Voilà, histoire de peaufiner notre défense. Ensuite, lui, on va le virer. Oh putain! Erreur de ma part. Erreur de ma part. Ouf. Ouf. Qui me donne une opportunité wow. De chaud là. Ah si. Non, même pas. Je voulais taper sur mon pion, mais je. Waouh, waouh. Ouais. J'ai failli faire de la merde. Pourtant, j'avais du temps, hein. Mais c'est le tic-tic-tic-tic, ça m'a stressé. Ok. Très bien joué. Pour une fois que c'est pas moi qui manque de patience, franchement. Manque de précision, ce qui lui donne une occasion. Non. Pas vraiment. Ouais, on a essayé de déplacer le plus de pions possible et essayer de faire avancer le ballon. Mais là, c'était un petit peu compliqué. On avait du monde et c'était chaud. C'était chaud. Là, il peut y avoir but. Il peut y avoir but. Alors, c'est de la pure précision de ouf puisque je dois d'abord rebondir là-haut avant de redescendre. Ça manquait de puissance. Ça
C'est dommage. Là, tu peux marquer, mec. Ok, c'est un choix. Non, ça peut pas passer là. On est d'accord, ça peut pas passer. Je sais pas pourquoi je tente si je suis d'accord que ça peut pas passer. Alors, à ton tour. Enjaille-nous avec ce tir. Raté. Ok. Là, j'aimerais bien utiliser le pion du haut et venir faire tac, premier rebond sur la tac, 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 et la faire aller là. Mais je suis pas du tout sûr de mon coup. Non, je voulais l'envoyer un peu plus fort, je suis désolé. Ça temporise un petit peu. Alors lui, par contre, il a un pion qui est là, là. Oh, moi, j'aurais pas aimé avoir un pion inutile à cet endroit-là, tu vois. Tu vois, là, par exemple, moi, j'en ai un qui est pas très utile, là. Hop, direct, je le vire. Je le laisse gérer sa petite défense. Et on va y aller à deux. Ok. On dégage de la partie basse. C'est un peu, je suis désolé. Hop. Voilà, c'était chaud de passer en dessous. On n'était pas bien positionné pour pouvoir passer en dessous. Ok. Ok, ok, ok. On repart en défense pour lui. Donc là, il a toujours son pion ici, là, hein, qui reste bloqué dans mon coin. Je sais pas trop ce qu'il veut en faire. Soit il se le garde pour l'attaque. C'est un peu dangereux ce que j'ai fait, mais je voulais surtout virer quelques pions. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Et le garde pour devoir péter ma défense. Donc là, il faut que je frappe, mais pas trop fort. Pas trop fort, j'ai dit. Et c'est goal. Bien joué. Bien joué à notre invité. 5 325 000. Ah non, c'est 53 254 063. Enfin, 63. Ouh. Ça aurait pu être sympa, mais je le sentais pas. Donc là, il peut pas attaquer parce que trop défendu de mon côté. Là, il y a un risque de faire de la merde. Mais ça va, comme sur le bas, là, on est protégé ici, là. On est bien. Ok. Là, nous allons... J'aurais rien tenté, en fait. Mais j'ai envie de tenter un double rebond. Mais je devrais rien tenter. Au pire, je me disais, ouais, je la mettais éventuellement en haut. Et au mieux, je gérais un double rebond qui puisse aller là. Donc là, on enlève cette protection qui vient juste de m'infliger. On enlève la deuxième protection qui vient juste de se mettre en place. Ouf, c'est que j'aime marquer là-dessus, hein. Mais là, pas évident, il y avait son pion en plus dans les cages. C'était vraiment une tentative pour le geste, plus que pour réellement marquer. Donc là, on a nos trois pions à l'arrière, qui assurent la défense. On est deux en attaque. Elle devra revenir de mon côté, et c'est là que va se déployer mon pion du haut. Qui lui va soutenir le pion du bas. Très bien vu. Oh, putain.
Des fois, il y a des petits manques d'anticipation qui m'énervent parce que bon, là, c'était évident que... Ah, attends. C'est mon pion qui marque. T'es prêt? Oh! Po-po-po! C'est exactement ce que je voulais faire, mais je m'étais dit, je vais faire de la merde. Et là, j'ai pas fait de la merde. Donc, voilà. Donc, les amis, bah, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir des vidéos de José Espéré. Ça faisait un petit moment, et surtout de Soccerstar, parce que moi, on s'en fout de ma gueule. Mais surtout de Soccerstar, et de reprendre du plaisir aussi pour moi de jouer, de faire des parties comme ça, tu vois, vraiment intéressantes, qui me, voilà, qui me font plaisir et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, je mets un masque pour le fun en fait, parce qu'il n'y a personne ici, tu vois. Je peux croiser qui? Personne. Donc voilà, je te dis, là, donc, comme je te dis, il y a un match all-in de Jean qui est en préparation. Bon, bah, je spoil un petit peu. Début d'année difficile pour Soccerstar. Vous allez le voir dans le match. Voilà, ça va venir très bientôt. Je vous dis à très vite. Kiffez la vie, parce que elle vous kiffe.